Salut à tous ces amis, ici Fante et Perdu au milieu de l'océan, plus connu sous le nom de Fantage, en compagnie du grand et magnifique Bob Lennon. Salut Bob. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Ah, je me suis même pas échauffé la voix ni rasé, j'ai une barbe terrible et ça me gratte alors que je parle, ça veut dire qu'elle est trop longue, ça ne veut absolument rien dire. Tant qu'elle ne touche pas ton micro, tout va bien. Ah oui, oui, c'est ça, je peux frotter, regarde, je frotte, c'est dégueulasse. Oh mon Dieu. Ça fait des bruits terribles. La dernière fois, nous avions fait exploser le château dans le ciel, ah, oui. À un tel point qu'une baleine s'était retrouvée sur une des plateformes survivantes. J'ai un petit peu nettoyé le reste pour que ça fasse quand même plus joli, ah, oui, mais qu'on voit quand disais, même. Tu sais, c'était drôlement efficace, ouais. Mais non, t'as nettoyé. C'est pour quand même laisser des restes de la destruction. En plus, tu vois bien les délimitations du château si tu regardes la map, en haut à droite. Tu vois bien le oui, les quatre points. C'est très propre, bravo. Exactement. Et du coup, nous avons Skeleton Jack qui est parti au pute parce que même les squelettes ont besoin de taper le tibia de temps en temps. Et du de coup, se soulager, tout à fait. Est-ce que tu veux quelques bateaux pour continuer notre exode vers l'est? Excellente suggestion. Et d'abord, nous allons aller vers le nord, ah, mon cher Fanta. Merde, t'as jeté le bateau. Ouais, c'est pas grave, j'en ai plein. Pourquoi le bateau coule au fait? Ça ne fait aucun sens. Aucun sens. Alors, quand tu veux, on y va. Ça y est. Donc, toi, Hop. Tu veux le nord, toi. Ah bah oui, il y a la terre. Ah oui, pas con. Regarde ça. Je sors de la flotte la tel question, un Gundam. C'est comment ça se fait que ce... Ah voilà, il était coincé. Eh bon, tout ah va bah bien. C'est bien, bravo. Nord, pleine vitesse, nord, tu vois, mon petit fanfan. T'as parce vu, que y déjà, a nous avons... une drôle de truc sous l'eau, là. C'est rien. C'est sans doute pas grand-chose. Bon, Monsieur Jack, on a marqué. Bah, t'es déjà passé par là, sinon t'aurais pas oui, laissé. Oui, une... attends. On était passé par là, mais on n'était pas allé jusqu'au bout. On avait commencé par le château dans le ciel, mon cher Fanta. Ah, oui. Déjà, il faut qu'on vide cette espèce de tour de monstre qui insulte ma vue. Déjà pour commencer. Non. On va faire ça et on va ils lui en péter ont marre sa des gueule. Tours. Ils nous ont dit dans les commentaires. Ils en ont marre des tours. Ils aimeront ce que leur dit des rats d'ennemis. Voilà. Voilà. Pas donc chier, n'oublie pas de mettre un like. Sur cette vidéo de merde, hein. Voilà. De toute façon, vous avez plus le choix de la bouffe dans les cantines scolaires. C'est un menu pour tout le monde et vous la bouclez. Voilà. Nuggets hein, voilà. Et frites hein, pour l'équilibre. C'est ça. Vive l'obésité. Tu manges du Jésus pour les catholiques, du porc pour les musulmans et du merde. Qu'est-ce qu'ils mangent? Merde, qu'est-ce qu'ils mangent pas les juifs? Ouais, qu'est-ce qu'ils mangent pas? Putain. Le porc, je crois, non? Enfin, s'il faut que ce soit cachère. Un truc comme ça. Il mange cachère, c'est-à-dire la viande bon. Retirée de son sang bref, selon un rite bref. Particulier. Bref, ah. Quelle que soit ta religion, épinard pour tout le monde, fils de pute, mono-menu. Oh. Avec ça, t'as dis-moi, comment de t'en ça sortir. Fait que j'ai pas le chunk, là, moi comment ça, quel chunk? J'ai un chunk qui s'affiche pas. Et c'est quoi, c'est Shift A pour... en F3, c'est ça, c'est Shift A. Je ne sais pas. Ah, ça existait pas à l'époque. C'est j'ai pas un très petit grave. Problème. Téléporte-toi sur moi, tu vas voir. Non, mais je vais sauter dans le vide. Le oula, saut, oula, la oula. Oula, 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 je me fais agresser. T'as raison, pour le TP, j'aurais dû faire. HTP, Monsieur Lennon. Beau blinon. C'est bon. Regarde, on est juste à l'entrée de la tour en plus. C'est la première fois qu'on peut pénétrer dans une tour proprement par son entrée, tu remarques. Mmh. Tu aimes bien pénétrer. Oui. Voilà. C'est tout. Je crois que c'est la totalité de l'humour de notre duo. Je crois que ça s'arrête là. Bah, il faut bien parler de bite à un moment ou à un autre. Non, mais Jamel Debbouze, là, il peut retourner faire la manche. Oh pardon, excusez-moi. D'accord. C'est pas propre ça comme humour. On ne se moque pas. C'est pas propre comme humour. Mais du coup voilà. On maîtrise totalement l'humour. On maîtrise le sujet. Fanta ouais. Au Bataclan. N'empêche que j'aimerais bien que l'avenir de notre duo soit dans du stand-up. L'avenir de notre couple. Hein. L'avenir de notre couple. Je le savais. C'était sympa cette petite scène qu'on s'est faite à Medinazia. Moi j'ai bien aimé. Je trouve que moi je m'amuse terriblement à raconter ma vie sur scène en face de milliers de gens. Je trouve ça génial. Oui mais à deux c'est mieux. À deux c'est marrant. C'est ça que je suis en train de dire. À deux c'est mieux. Ça passe tout seul. Écoute, hein. Bah c'est comme le sexe. Hein. À deux c'est mieux. Voilà. Surtout quand t'as 1000 personnes qui te regardent. Ou à 4. À 12, c'est pas mal. C'est ça, le gars qui a les goûts de la déviance, tu sais. T'as une araignée poursuivie là, non, tiens, non j'ai vu ça. C'était... Ah, j'ai vu un film hier, il disait la pire des perversions, c'était la chasteté. Ah bon? Non, mais c'était une blague. C'était dans The Best of Air, hein. Un film très sérieux, très particulier, et que j'ai beaucoup aimé.
Moi, ce qui me fait kiffer, c'était Rasputin. Rasputin, tu sais, le soigneur favori de la reine Romanov du début du XXe siècle, hein, en 1900 et des brouettes, qui était un mystique, prétendument, mais qui était surtout pas forcément le gourou d'une secte, mais qui faisait partie, pas d'une secte, mais disons d'une sous-religion ou d'un truc sous-jacent, qui était persuadé qu'en fait, pour recevoir le pardon de Dieu, pour recevoir le pardon, il faut qu'initialement t'aies péché. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, on peut pas te pardonner. Oui, bien sûr. Y a rien à pardonner. Donc, pour recevoir un max de pardon, il fallait pécher à mort. Putain. Et du coup, il se faisait de ses orgies. Bouah! Même Caius Caesarus Romulus César, à côté, c'était un petit joueur. Voilà. Cupidon à côté, le mec. C'était une crapule, hein. Il est connu, Rasputin, hein, la pierre des crapules. D'ailleurs, on le voit dans Anastasia. Oui, non, mais très bon dessin animé. Ça, c'est une version artistique de la chose. Historiquement parlant, on n'est pas sûr que ce soit autant une crapule que ça. Mais t'as vu que c'est juste une personne qui a existé historiquement et qui a été détournée pour en faire un, personnage. Tu crois? Ah non, je pense que. C'est comme si tu me disais que tu prenais Albert le cinquième mousquetaire et que le cardinal qu'il y a dedans, qui est pas le mardi, c'est pas Mazarin, c'est comment ça s'appelle? Richelieu. Richelieu, voilà. Et que tu me disais que le cardinal Richelieu était le mal incarné et un mec qui était Satan en personne. Alors que... Non, mais il était connu pour être une éminence grise quand même, un mec de l'ombre. C'est un homme politique et c'est un excellent politique. C'est comme dans l'espèce de mini-film Napoléon avec... C'était Valls, c'est Manuel Valls. On parlera bientôt de Manuel Valls comme de... Où on en fera un personnage parodique dans un dessin animé dans 10 ans, ou un personnage héroïque dans un dessin animé dans 10 ans. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. C'est une réalité sur laquelle on se base à cause des médias de notre époque, mais qui, à mon humble avis, ne reflète absolument pas la réalité de l'époque ou quoi que ce soit. J'ai envie de dire, j'ignore si Rasputin n'a jamais... Ou alors il a peut-être travaillé à faire de lui une image de monstre pour être craint, hein. C'est aussi assez possible. Ouvert. Oh putain, déjà. C'est pas grave. Mais dans tous les cas, s'il te plaît, ne prends pas Anastasia, le film, pas de Disney. Le Disney qui n'est pas de Disney. C'est un DreamWorks. Voilà, le Disney qui n'est pas de Disney pour un exemple. Putain, et remonte, tu peux l'achever. 36 PV, wow. 36 PV, tire-lui dessus. Les larmes et les baleines auront raison de toi. Bien joué. Super. La tour. Il a laissé des diams, je crois que c'est la première fois qu'on voit que ça top. C'est super, c'est formidable. Ouais, t'as raison, oui, effectivement, la tour. Oh putain, c'est pas la bonne. Descends. Je suis pas mort, j'ai fait une chute de malade, je ne suis pas mort. Oh, bien joué. Moi je prends les escaliers. Désolé, je crie là dans le micro, là, je m'accroche au micro et je hurle. Oh merde, j'ai qu'un étage d'avance. 5 diams. Allez, Léon, tu peux le faire. Je saute pas. Non, les escaliers c'est rigolo. Aïe. Bon, saute là, je crois. Mais non, t'es fou. Regarde ça. Regarde ça, je prends les escaliers, moi. Moi, je le fais à la Ocarina of Time, moi. Je le speedrun, moi. Rien à foutre. Bon, là, je crois qu'ils vont te laisser tranquille. Ouais. Je descends quand même pas. La base ne va pas exploser. Ils ont dit, ouais, c'est bon. Exactement. No. Mais bref, toujours est-il que j'ai toujours trouvé cette manière de soit de mésinterpréter, soit de détourner, soit d'interpréter. Ça dépend comment tu l'appelles. Hein. Donc, ça pour toi, Attila était en fait un mec super sympa. C'est pas ça, c'est juste de la manière dont tu interprètes la chose. Selon que tu interprètes le fait qu'il ait raison, tu vas dire qu'il interprète. Selon le fait que tu penses qu'il a tort, tu vas dire qu'il va mésinterpréter. Et selon le fait que tu t'en fous, tu vas dire que c'est sa manière de penser, que sa manière de faire. Tu vois ce que je veux dire? Ça me fait marrer. Juste des sophismes qui au final changent totalement. Est-ce que t'as un sac de couchage, toi ou pas? Non, pas du tout. Ouais, juste des sophismes qui changent totalement un mode de vision qu'avaient des gens par rapport à une époque et par rapport à une et qu'ils ont par rapport à une pensée et par rapport à la nôtre. Viens, et ça me fait rire. Bien un arbre avec de la lumière, ça sera parfait pour passer la nuit. Et ça me fait rire qu'en tant que société, on soit incapable de voir outre la nôtre. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui paraît normal. Enfin, comment dire? C'est normal qu'on appelle. La déformation historique, tu trouves pas ça normal? C'est pas ça, c'est juste que de notre point de vue de société, il est normal qu'on applique les règles de notre société, celle dans laquelle on vit. Ça fait en bas, il y a une porte, moi j'y vais. Par contre, la rationalité te dirait que c'est pas forcément logique que tu ne puisses pas imaginer que quelque chose ou quelqu'un d'autre puisse avoir une autre rationalité, tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, on n'y arrive pas, on n'a pas cette empathie. Cette anticipation, enfin, plutôt. Oui, mais regarde, je te dis qu'il y a des tribus africaines qui mangent leurs morts parce qu'ils pensent que grâce à ça, ça leur permet de donner la force de l'ancêtre qui vient de mourir aux descendants.
Et tu sais qu'à Madagascar, ils font le retournement de mort, c'est-à-dire qu'ils réouvrent les tombes et ils font tourner les cadavres au moment où les os sont devenus blancs, quoi, quand il n'y a plus de chair Voilà. dessus. Ouais. Sauf que là, pour nous, ça nous paraît bizarre et étrange, mais... Et c'est si une fête, hein, ça... c'est une fête énorme. Hein, c'est, un truc, hein. C'est ça, c'est ça. Mais pour nous et pour ceux qui entendent ça, ça peut leur paraître bizarre et étrange. Mais si vous poussez assez fort avec vos yeux, j'ai trouvé que c'est le meilleur moyen que tu as d'activer le cerveau, si tu pousses assez fort avec tes yeux, tu peux imaginer que élevé exactement dans les mêmes conditions et dans les mêmes... Et dans les mêmes pressions sociales, tu en viendrais à croire que c'est une pratique tout à fait normale. Ah oui, non, mais de toute façon, ça, ils ont une donc, logique et ils ont une croyance qui est valide derrière. Hein. Si au final la normalité est déterminée par l'être humain, c'est que c'est une valeur, c'est que c'est une valeur et une fonction qui n'existe que parce que l'être humain existe et donc qui n'est définie que par l'être humain. Et si elle est définie par l'être humain, alors personne n'a la bonne réponse. C'est dingue, hein ? Oui, enfin chacun sa vérité, disons. Bah oui, mais personne n'a la bonne réponse tout simplement parce qu'il n'en avait pas en premier lieu. C'est nous qui l'avons créé pour le LOL. Enfin, pas pour le LOL, mais... Et donc, c'est compliqué tout ça. Ah bah oui, écoute, hein, ici, on nous avait demandé de lever le niveau, moi, je... On a commencé par la bite, après ils se sont dit, oh putain, le niveau est bas, et puis après, ils en voulaient plus, les mecs. Hein. C'est ça. Mais on peut revenir à la bite, si vous voulez. On est monté, je suis en train de montrer tout en haut de cet arbre, et il est diablement bien fait, mais... Mais il sert à rien. Oui, diablement inutile. Je vais y mettre le feu. Oui, je pense que c'est une bonne idée, on verra de loin comme ça. Excellent. Par contre, prévois de descendre, quoi. Oui, en plus, il y a un coffre en bas. Parfait, pète tout. Récupère les échelles, s'il te plaît. Pour foutre le feu, t'as juste à péter la lave, ça te dit ou pas, non ? C'est une idée, mais le problème de la lave, c'est qu'elle va rester. Je ne suis pas pour. Moi, je suis pour une méthode plus propre, tu vois ce que je veux dire ? Okay. Le problème de la lave, ouais, c'est que ça va rester, ça me pose alors, un souci. Attends, on va... J'ai un saut, par contre, cependant, on peut sans doute récupérer le matériel. Ah putain, tu l'as mis la lave ? Mais non, j'ai pas mis la lave. Ah putain, en prenant le coffre, ça m'a failli me tomber sur la gueule, c'était un piège. Fanta, tu n'es pas assez sur tes gardes. Je vais... Alors, du coup, c'est... Hop, et du coup, là, je viens de bloquer la lave. Et c'est fini, il n'y aura plus de problème. Hop, c'est bon, la technologie. Et donc deux pelles, ça valait pas le coup de crever. Mais bon. C'est vrai. Non. Regarde. Livraison d'un Lennon. Il y a un campeur là qui traîne là. Il a l'air oui, très bah, content. Il c'est il lui qui nous a piégé. C'est son arbre au fond du jardin. Tu sais que c'était chanté par Michel Cabrel. Ah non, c'était la cabane. Voilà. Mon platane au fond du jardin. Francis Cabrel. Voilà. Ok, très bien, bah écoute, on verra bien. On s'éloigne un petit peu, quelle direction ? Ça fait longtemps, donc j'en profite. Regarde pour le feu, ouais, c'est vrai. Oui, c'est ne serait-ce que pour la beauté de la chose. Et puis regarde, c'est marrant, ça se met sur la map. Oui, t'as vu ? C'est visible sur la map. Même la lumière est visible sur la map, c'est dingue ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu regardes ? Tire-toi ! T'as beaucoup de gold ou pas, toi ? Tiens, du coup, on pourrait dormir dans leur lit, là, si j'en posais un autre. Une chose est sûre, bon, on peut faire une ellipse, ça compte aussi. Une chose est sûre, eux, ils en avaient pas. J'aime bien le côté RP. Alors, il faut juste que je retrouve le sac. Ça de veut couchage. Dire qu'on dort dans le même sac de couchage, c'est pas non plus la non, mort. Il ou alors... faut que les deux, tiens. Ou alors, on fait des tours de garde, ça va. Il est hors de question que. Il est hors de question qu'on fasse des tours de garde alors que ce serait la chose censée à faire. Misère. Qu'on partage une tente, c'est hors de question. Alors, hop. Voilà une tente pour le Lennon. Avec un sac de couchage en dessous. Je suis plutôt content, l'éradication totale est absolue. Il veut pas mettre mon sac, moi. Ah si, ça y est. Donc vas-y, chacun. Hop, parce que moi, tu je es un dedans. Sac. C'est le secret. Ouais, je sais. Allez, vas-y, couche-toi maintenant. Couche-toi, les deux. Je me couche. J'arrive. J'étais en train de finaliser l'œuvre. Aïe. Ah là, le mec, il est même pas sûr, fichu de ne pas bien marcher sûr, dans j'ai, le feu. J'ai pris feu, bah oui, évidemment, mais tu l'as mis devant aussi. Donc. C'est pas moi qui l'ai mis le feu. Voilà, c'est ce campeur. Heureusement que j'ai tué alors. Allez, vas-y, dors. Hop. J'y suis. Et la nuit est passée. Voilà. C'est fabuleux. Et je ramasse tout ça avec mon couteau suisse parce que ça pourra nous servir. Eh ben, je t'en prie. Est-ce que tu peux récupérer le feu de camp avec ton couteau suisse aussi ? Ah merde, j'ai détruit le. C'est pas grave. Oui. Ah ouais, putain, c'est génial. Par contre. Ah ! Satisfait de mon œuvre. J'ai perdu un sac de couchage. Bon, c'est pas grave. Ah, oui, il ne reste rien, c'est très propre. Mon briquet vient de se briser, mais satisfait mon, de mon direction, mon petit peuple nord, ou pas Non, toujours vers l'est, enfin vers l'est, pardon.
Laisse. Nos aventures ne termineront pas. Pas non, encore. Jamais. Exactement. Là, pour le coup, je pose 2-3 bases. Oh, voilà, histoire de faire y a un très beau biome ici, là. Où ça? Où est-ce que c'est parti? Ça ressemble à un biome, mais ça, et il y a une maison. Ah, et bah écoute, alors à l'est. Non, par là. Viens avec moi. Oui, bah c'est l'est, écoute. Oui, je sais, c'est l'est. Et il y a un squelette, là, qui a survécu au lever du soleil. De toute façon, au début, on les craignait, mais maintenant, ça, on a le bon... Un campeur ! Ouais, on peut... Je vais lui piquer son lit, tiens. Voilà. Vous avez tué mon frère ! Vous... Oh, j'ai raté, j'ai touché Fanta, ouais, là. J'ai bien vu. Désolé. C'est un échec de ma part. Toutes mes excuses. Voilà un heal. Ça n'a même pas marché. Ça n'a pas marché ? Attends. Réessaye. Heal ! Ouais. Ça marche. Heal. Ça marche la première fois et pas la deuxième. Un ogre ! Un Shrek ! Get Shrek ! Oh là là, trop loin. Il y a ce pillage. On fait quoi, la maison ou pas? Oui, c'est vrai qu'il y a la maison. Allons, la maison, t'as raison. Ouais, il nous suivra s'il a envie. Mais a priori, il a l'air plutôt gentil. Ça se trouve, on les tue, mais c'est des mecs super sympas. Mais on s'en branle. Nous, on n'est pas sympas. Dans l'idée, par contre, juste à côté, tu remarques qu'il y a des ressources gratuites qui traînent juste. Ouais, mais est-ce que c'est piégé? Oh, je vais me servir, on verra bien. A priori, non. Non, tu vois, c'est gratuit. En même temps, comment tu voudrais biéger un breloque de rocher pareil? Ouais, non. Ce serait beaucoup trop compliqué. Mais bon. Elle est mignonne, cette petite tours, maison. Plusieurs tours de combat, encore une fois. Le jour où tu auras la capacité de voler, c'est sûr que ce sera impressionnant. Les tours de combat, ce sera autre chose. Et c'est une étable? Ça a l'air d'être une étable brisée. Montons à l'étage. Ouais, c'est une grange. Hein. Ouais, c'est une ferme. Tu veux y foutre le feu? Je n'ai malheureusement plus le matériel nécessaire pour. Ah ouais? Mais j'ai détruit mon briquet dans l'arbre. Ça va vite, ces choses-là. Ah, d'accord. Mais c'est pas grave, ce qui n'est pas important. Dans tous les cas, il y a 2 ogres, là, juste à l'est. Moi, j'ai des flint et j'ai du steel. Bah écoute, je t'en prie, mais il faut toi-même, du coup, pour la forme. Ouais. Allô, par contre, moi, je me suis attaqué à 2 ogres. Hein. J'ai un respect. Le steel est là. Chaque fois, je me trompe. Oups. Hop. Allez, moi je suis sobre. Une seule flamme, ça suffira. Regarde ça, le Lennon qui les tient, quoi. Je crois que ce distributeur de l'arme de baleine, c'est la meilleure arme que j'avais. Ouais. Que j'ai depuis le début. Pour l'instant. Bah, je suis sûr qu'il est très possible de trouver d'autres armes avec. Ouais, parce que surtout qu'on est allé dans aucune dimension encore. Hein, À puissance bien augmentée. Bah, pas besoin d'aller dans d'autres dimensions quand on a le matos. Vas-y, assassine-le, voilà, flingue-le et récupère son stuff. Ouais, au moins le lit. C'est une tour en cobble tout à fait normale, donc elle est à faible level. Oh, à côté, par fout, contre, il y a. Bon, bah, continuons. Alors, dans ce cas-là, redescendons un peu au sud et continuons vers l'est. Ouais, tout à fait. Ah, la dalle, une seconde. Hop, voilà. J'ai une pelle, t'en veux une? Pourquoi une pelle? Pour faire des escaliers. Bah, c'est ça, tu peux escalader un peu. Hop. Je suis en armure de plate et pourtant je suis agile, regarde ça. Hop. Ça m'impressionne pas. Je sais qu'il en faut plus pour t'impressionner. Ouais. Enlève ton armure de plate. Pas de soucis, mais tu sais bien que c'est pour contenir ma puissance. Et c'est sympa ce nouveau biome, je l'avais jamais exploré avant. Oui, il y a des fois pour cacher les petites bosses un peu qui te mettent mal à l'aise, il n'y a que du métal pour empêcher le... C'est ça. De toute façon, meilleur protège-couille du monde, il est en métal. Hein. Oh, voyons voir là. Une petite vallée avec un biome inconnu. Quand tu seras arrivé tout en haut de la montagne. D'accord. En tout cas, c'est charmant ici. Ça fait penser à l'ancêtre du biome Mesa. Avec plaisir. Avec justement, ben. Une tour qu'on s'en fout un peu quand une même. Une tour, ouais, tout à fait. Alors, est-ce qu'on fait un pont et on l'arnaque la tour? Ouais, j'étais en train de penser la même chose en fait. J'ai assez de cobble pour ce faire et je pense que je vais faire ça. Mais je pense et que le monstre va pas spawn. Mais si, il va spawn évidemment. D'ailleurs, on peut l'arnaquer en descendant tellement vite et en pillant les coffres, ou on s'en fout des coffres, on l'arnaque juste en fait. Je suis pour l'arnaquer, écoute. Il y a un truc là-bas.
Ah, je croyais que c'était un bloc de glowstone. Il y a une étendue d'eau. Ouais, l'étendue d'eau, t'as pas. Admirablement bien pour l'instant. T'as pas de seau d'eau d'ailleurs ? Non, mais j'ai du fer. Ouais, non, mais ça n'aide pas dans le sens où il nous faudrait de la flotte pour pouvoir ensuite s'enfuir comme des vieux chacos de... Hop, 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 hop. Allez, tout ce que j'ai pas besoin, je bourrine là-dedans. L'avantage, c'est que j'ai des super sacs à dos, quoi. J'en ai trois gros. Hop, ping, et voilà, c'est ouvert. Parfait. Aïe, 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 attention à ne pas tomber. Ok. Tu t'es fait tomber. Ouais, c'est pas grave. Oh, t'as survécu. Ouais, non, mais attends. Comment ça s'est passé? C'est... Il me reste encore 8 coeurs. Bon, bah, TP-toi, alors. C'est que j'en ai perdu 12. Hop. TP-toi et je pourrais te soigner. Voilà. Heal. Ah. Heal. Voilà. On monte à l'étage. Et hop là. Ah, là, je me suis fait... Je me fais prendre en gangbang, là. Tac, tac, tac. Boum. Et boum. Et voilà, plus qu'à monter à l'étage et exécuter ces jolis minois. Par contre, avant de descendre, ça va être plus rigolo. Ouais. Monte pour voir s'il n'y a pas un étage au-dessus encore. Si, il y en a un. Ouais, tu vois, parce qu'à chaque fois on ouvre le coffre et on se fait aïe, on se fait avoir par le boss. Ah, et il est en haut le boss en fait. D'accord, donc c'est quand tu ouvres le coffre que... Et il y a un coffre, donc on l'a jamais ouvert. D'accord, donc ouvre le coffre. Enfin, tu peux. Mais il me laisse pas, non, il faut le buter, cet enculé. Ah, il faut le buter, puis il faut ouvrir le coffre tout de suite et piller tout ce qu'il y a dedans, n'est-ce pas? Non, là, ouais, ouais, voilà. C'est ça, hop. Prends tout. Il y a rien dans le coffre. Par contre, prends lui, tout. Là, il essaie du diams. Et de la redstone. Et là, je vois pas comment je pourrais survivre à une telle chute. YOLO bah... Ah, là, c'est trop hard. GAC. Je suis tombé. J'ai survécu. Ok, très bien, je suis avec toi. Je vais essayer de ressauter en bas parce que je sais que je survis. Ah, j'ai survécu mais j'ai perdu mon casque dans la bataille. Et la mauvaise nouvelle c'est que non seulement j'ai perdu mon casque dans la bataille, mais en plus j'ai perdu donc mon pouvoir de régénération qui va avec. Ok, je vais pas ramasser les trucs au sol parce que voilà, j'ai assez, j'ai déjà tout récupéré. La cobble, les trucs comme ça. D'accord, attends. Ouais, c'est récupéré. Voilà, bienvenue sur toi. Ben je voilà. Vais en prendre un peu parce que ça traîne, écoute. Hein. Il y a peut-être mon stuff aussi qui traîne. Hein. Ouais, mais c'est du matériel. Non, tu le perds plus, tu te fais. Ah, il traîne plus au sol, en plus. Non, en plus, oui. D'accord. Il est pas doublé, ce serait craqué. Mais voilà, il y a du matériel de construction supplémentaire, je me sers, parce qu'après tout, pourquoi pas. Hein. Merci, mais c'est pas grave. Quand la cobble te tombe dans les bras, moi je dis pas non. Alors, du coup, ça c'est fait. Victoire, mon cher ouais, Franck. C'est allons. Sympa d'aller direct affronter le boss du toit. Qu'est-ce qu'on fait? On va où, là? Encore vers l'est, toujours, on continue. Aha! Regarde ça, deux éléments étranges et bizarres et ésotériques qui s'affichent devant nos écrans et nos yeux ébahis. Ah bah devant les tiens, parce que pas moi. Eh ben, patience, patience, mon cher délicieux, prends ta patience. Alors... Tout d'abord, la map sur laquelle nous sommes, si tu appuies sur X, c'est assez intéressante. Ah, dans coup, certains t'as plus ton casque et tu ne peux plus heal. Quelle tristesse. Non, exact, ce sera que par régénération. Tout d'abord, tu peux remarquer que sur notre, encore à l'est, il y a un biome jungle, donc nous trouverons peut-être les cacao beans dont nous avons besoin. Mais surtout au sud. Ah, super. Au sud, Fanta. Au sud. D'abord le sud. Pourquoi le sud? Parce que cette Battle Tower n'était qu'un échauffement. Voilà le boss bien. Des Battle Tower. L'érection des Battle Tower. L'érigeage du Battle Tower. L'hégémonie du Battle Tower. La puissance du Battle Tower. La Battle Tower en Nether Motherfucking Stone. Et là, c'est là la raid. Ouais, ça risque de faire mal. Bah écoute, on y va quand même. Je sais pas. Je pense. Tu crois qu'il y aura deux monstres particuliers là-dedans? Un peu de patience. J'ai un casque en diams dans mon inventaire. Je vais m'en équiper au moins parce que voilà. Et de plus, mon armure en diamant risque de me protéger bien meilleur, bien mieux que. Bah, je vais l'exploiter jusqu'au bout. J'ai exploité jusqu'au bout mon armure. Ouais. Voyons voir. Alors, en cas, il y a du bon matos. Et... Par contre, le sol est en soule, donc on va avoir du mal à se déplacer. D'accord. Et j'avais peur de subir cette espèce de maladie du lag à nouveau, mais tout va bien. Rien dans le premier chest. Ça peut être pas mal de prendre un peu de glowstone pour nos potions. Oui, ou de la soule pour faire pousser de la netherrack. On monte ou on monte pas? On monte, mais pour l'instant, on va agir de manière réfléchie, parce que là, on n'a plus du tout le matos pour survivre, si jamais ça part en sucette, tu vois ce que je veux dire? Monsieur. Donc, tout d'abord, récupérons un peu de netherrack. On en a, à la maison. Toi, t'aimes bien échantillonner, oui. Hein.
Oui, mais on a de la soulstone pour faire pousser du ward du Nether. Ouais, on a tout embarqué la dernière fois. On est sérieux pas... T'es sûr, ouais, t'es sûr. C'est déjà planté, je crois. Ok, ok, bon bah écoute, j'en prends un peu plus histoire d'agrandir le champ. Voilà, fais pas chier. Par contre, on va pas être trop emmerdé puisqu'au final c'est du zombar, c'est de la. C'est pareil, hein. Ah, ah, si jamais c'est pareil, faisons attention quand même. J'ai peur que les points de vie ne soient pas les mêmes. Pas pour le trash mob classique, ça c'est pas un souci. Surtout pour le boss que je m'inquiète. Ah, ça c'est sûr, t'as raison, ouais. En plus, on peut récupérer de la glowstone. Assez avantageusement, ajouterais-je. Les petits boutons qui servent à rien. Ok. Monsieur Lennon continue de progresser, non? J'échantillonne. Tu as pris tous les... Ouais. Oui. Je reste au full life à chaque fois pour m'assurer que ma vie régène en permanence. Entendu, j'aurais besoin qu'ensuite tu fasses une pause et que tu scelles l'étage et que je puisse récupérer mes affaires. Mais je sais pas où t'es. Bah à l'étage en dessous en fait, le problème c'est que je manque de place dans l'inventaire et... J'essaie de récupérer l'argent, j'essaie de poser des torches. On peut laisser la merde dans ses coffres. Hein. Merde, aïe. Arrière. En plus, c'est la nuit. Suffit. Voilà. Voilà. Ça c'est fait. Allez, on y va. Attends. Non, une seconde. J'ai besoin d'un peu de temps. Déjà, ça enveloppe ça. Aïe, j'en prends des dégâts. Aïe, je prends des dégâts. Ah, monsieur, il prend son temps. Oui, que dirais-tu qu'on termine ça dans le prochain épisode? Je ne sais pas, mais j'ai juste besoin d'un peu de temps en tout cas pour me préparer et pour pouvoir faire face. On va ranger ton petit inventaire, de précieux, de petites précieuses, et puis on va. Le sac à dos, j'ai besoin de mon sac à dos. Voilà, on va faire connaissance du boss de cette magnifique tour dans quelques instants, et pour vous, ça sera dans quelques jours. Hein, je vous rappelle The Dream, mercredi et samedi, le rendez-vous inoubliable. Inratable de la semaine, hein. Voilà. De la semaine, du petit plaisir du fait que j'ai fini ma semaine et je vais regarder The Dream. Voilà, au moins vous pouvez vous dire ça fait toujours plaisir. En tout cas, merci infiniment de nous avoir regardé. Moi-même et Fanta qui est criblé de flèches. Refais un F5 Fanta pour montrer ta tronche. Oui. Ouais, t'es pas mal là. même pas mal, je dirais. Même pas mal qu'il a envie de dire. C'est ça qui est bon. De toute façon, les lunettes l'ont protégé. Sur ce, on vous remercie infiniment d'avoir regardé The Dream. Un petit pouce vert, ça fait plaisir. Gros bisous à tous les enfants et à la prochaine. Allez, zou. Bise. Enfin, les enfants. Et les grands. Vous vous reconnaîtrez, voilà. Pas de soucis, allez-y. Bye.